coucou les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. Je suis très en retard, mais j'avais pas forcément beaucoup de temps pour filmer cette longue vidéo puisque pour mon anniversaire, j'ai plusieurs de vous qui m'avaient envoyé une petite lettre et c'est vrai, je suis très en retard. C'est très en retard, mais j'avais pas le temps en fait, voilà, c'est une catastrophe, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué le temps, on est tous pareils. Alors j'ouvre déjà le courrier de Marie-Thérèse qui vient du 90. Alors, je regarde. J'ai mis comme ça, ça m'évite de regarder des adresses. Ouh, elle m'a donné une magnifique... déjà, une magnifique carte avec un petit mot. Oh, c'est trop mignon, regardez. Verseau, oui, je suis Verseau. Elle est trop belle. Elle est trop belle, ta carte, hein, vraiment, Marie-Thérèse. Le doudou Verseau. J'ai pas eu le temps parce que du coup, le challenge Holland Create est arrivé, j'ai pas eu le temps d'utiliser mes Shoe and Flower. J'ai vu déjà qu'il ressortait une nouvelle collection. Je dis bien, je vais faire comme là, je vais en acheter que quelques-uns peut-être, mais j'ai pas trouvé la date de ton anniversaire, juste que tu es Verseau. Alors je suis du 19 février, quand je vous dis que je suis en retard, je vous le dis, hein. Oh, bah c'est trop gentil. Alors. Ah bah c'est trop gentil en plus, tu m'as envoyé des doudous. Ah bah j'en ai acheté quelques-uns, mais comme ça ils sont déjà tout tamponnés. Je trouve ça trop bien. Bon bah c'est trop sympa. Merci. Hein, merci vraiment. Franchement, elle m'en a fait plein que je vais pouvoir coloriser. Mais moi, et du coup, je ne les ai pas tous. Ben oui, forcément, j'ai pris que ceux de la maison, un peu de la maison. Et là, tu m'as offert plein de tamponnages. Le lion, tu as dû acheter le kit complet. C'est trop chouette. C'est vraiment super sympa. Ouais, vraiment trop gentil. Et tu m'en as refait encore d'autres plans. Mais oui, c'est vrai. Et à la Versafine et tout. Oh là là. Voilà, trop sympa. Merci, Marie-Thérèse. Alors là, je n'ai même pas besoin de les tamponner. Donc, dès que ce challenge All in Create est terminé, je m'attelle à faire de la colorisation avec les doudous et tout ça. C'est trop sympa. Vraiment, merci. Merci de ta très jolie petite carte. Avec une très jolie colorisation. Trop chouette. Merci Marie-Thérèse. Vraiment super sympa. Allez, une petite carte avec plein. Il va falloir s'attaquer au créa de Pâques. Non mais moi, je ne suis pas du tout dans Pâques encore. Oh, avec Holland Create, une magnifique enveloppe. Regardez-moi comme elle est trop belle avec toutes ces fleurs. Qui me vient de Lucia, qui vient du 44. Pâques. Je ne sais pas si vous êtes dans Pâques encore, pas du tout. Alors moi je suis dans... oh c'est trop mignon ça déjà. Désolée pour le bruit. Moi je ne suis pas dans Pâques parce que je suis en train de faire du rangement, rangement de mon atelier. Oui, et voilà, je vous le dis pour celles qui habiteraient pas très loin, la Haute-Savoie et tout ça, je vais faire un vide... Je vais faire un vide maison parce que j'avais envie... voilà, c'est ça, pour ça que ça me prend un peu du temps. J'aimerais bien changer mon salon. Voilà, je vais changer mon canapé, tout ça. Mais du coup, il faut que je me sépare de pas mal de déco que j'ai de la maison. Puisque c'est plus dans le style. Enfin non, on a envie de changer au bout d'un moment. Là, ça fait... il y a des trucs, ça fait 10-15 ans que j'ai la même déco. Voilà, bref. Donc, je vais faire un vide atelier aussi puisque... j'ai plein de choses que j'ai achetées. Vous savez, on est toutes pareilles quand on va à Action au départ. On achète plein de trucs. Je me suis aperçue que j'avais plein de choses. Puis il y a des choses que j'ai faites. Et puis j'ai des cartes que j'ai faites. Et puis je vois avec toutes les histoires qu'il y a sur Vinted. Je vous montre le midi junk que m'a offert Lucha. Il est trop beau. Ça ne me donne pas trop envie. Hein, quand je vois les filles, voilà, toutes les...
Le vous commandez, vous vendez sur Vinted et oh, c'est trop mignon. Moi, c'est trop sympa ça, un mini junk. Regardez, c'est trop sympa, c'est trop mignon, trop mimi. Je vais aller l'accrocher, vous savez quoi, en, je vais le rajouter sur le bijou d'album de mon junk, parce que sinon je vais le perdre. Voilà, donc celles qui habitent la Haute-Savoie, je vous donnerai la date au mois de juin. Et voilà, parce que j'ai. Ouais, ça sera pas, ça sera vide. Voilà, loisirs créatifs, mais aussi plein de choses. Ma fille veut vendre ses skis, ses snows. Mais je le mettrai sur Facebook de toute façon. Trop beau, Lucha. Et pour s'en racheter un. Voilà, par exemple. C'est vrai que. C'est trop gentil. Et puis, elle m'a mis, Lucia, des tamponnages. Trop sympa. Ah ben, il y en a que je reconnais qui sont de chez Globeland parce qu'il y en a que j'ai fait, que je retrouve. Trop sympa. Merci, hein. Mais vous savez, juste une petite carte pour mon anniversaire, ça me suffit, hein. Il y a même une autre enveloppe encore dedans. Alors, zoup, avec une petite carte, voilà. Merci Lucia, avec une jolie petite carte pour, hop, avec un petit mot. Ah non, c'est des petites fleurs à l'intérieur. Oh, c'est trop joli. Regardez, trop trop joli. Et bah écoute, merci vraiment Lucia, c'est trop trop sympa. Trop trop sympa. Après, nous avons de Marie-Pierre. Marie-Pierre, ça fait déjà un petit moment. Elle m'avait dit ne l'ouvre pas. Et du coup, ben tellement pas ouvert que. Tellement pas ouvert que ça fait un mois que je l'ai, la lettre. Hop. Marie-Pierre, une de mes. Qui vient de la Haute-Saône. Avec un. Hop. Regardez son enveloppe. Un joli petit personnage. Elle m'a envoyé une petite carte. Hop. Pour me souhaiter un joyeux anniversaire. C'est trop mignon. Hop, je vous montre. Je vous montre la petite carte avec un petit oiseau de la liberté. Et elle m'a mis des petites. Des petits feuillages, c'est trop sympa. Mais elle m'a pas mis que ça. Elle m'a mis un petit pochoir. Je sais pas si je l'ai ou pas celui-là. Je suis pas sûre. Je vais regarder, mais je crois pas. Hein, des jolis assortiments de pochoirs. Non, je suis sûre que je l'ai pas. Parce que j'ai pas les feuilles, j'ai pas les fleurs. C'est trop sympa. Bah écoute, hop. Je laisse le petit mot. Camille, tu m'as écrit. Ah bah attends, je vais écrire, rajouter. Je vais rajouter Marie-Pierre dessus. Voilà. Comme ça, je saurai quand je vais m'en servir que c'est toi qui me l'as offert. Trop gentil. Merci. Et elle n'a pas mis que ça. Elle m'a encore mis une autre petite pochette. Avec des petites cartes. Elles sont très jolies. C'est très mignon, ça. Voilà. Regardez comment c'est trop mignon. Il est magnifique, ce petit cerf. Trop sympa. Donc j'ai essayé, j'ai mis de côté dans une pochette, j'ai mis une petite boîte avec plein de découpes que vous m'avez offert et tout ça, parce que je dois m'en servir absolument. Mais du coup, il y a eu Olen Créate qui est arrivé. Enfin, donc là, elle m'a mis des petites étiquettes. Il y a un petit, regardez, un petit bonhomme de neige, un petit bonhomme de neige, ou je sais pas trop, enfin, c'est un poussin déguisé en bonhomme de neige, ou c'est un. Un bonhomme de neige. C'est trop sympa. Merci. Et puis encore une petite créa comme ça. Regardez. Avec des petits tags oiseaux à l'intérieur. Pas que oiseaux. Il y a un renard et un écureuil. Voilà. Très joli. Voilà, s'en servir pour faire des créas. Hein. Donc, très joli, très sympa. Merci Marie-Pierre à toi. C'est vraiment très gentil de ta part. Toujours, toujours une de mes fidèles, fidèles, fidèles abonnées. Vraiment super sympa. Vraiment. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des filles aussi sympas. Et là, nous avons Carrie.
Carica qui m'a offert une petite carte avec des petits chatons dessus. Hop, je sais pas. Voilà, regardez. Trop mignonne. Alors, ma petite carte. Ah, mais c'était pour répondre à mes vœux où je t'ai écrit. Ou alors, je les ai mis de côté. Je l'ai reçu quand? Ah, février. Bon, j'ai cru que c'était pour mon anniversaire, Carica. Mais c'est pas grave, je vais dire que c'est pour ton anniversaire. Ah oui, ben voilà, je t'avais fait un envoi et tu m'as répondu pour mon envoi. C'est très joli. Regardez la petite carte, comme elle est trop jolie. Alors, moi, j'ai cru que c'était pour mon anniversaire. Du coup, je l'avais mis de côté, je ne l'ai pas ouvert. Trop, trop sympa. Merci, Carica. C'est très gentil de ta part. Après, Christine. Alors, j'ai tout mis de côté parce que j'avais répondu à des vœux à certaines. J'avais écrit des vœux à certaines. Alors, ça se trouve, c'est une réponse. Ah non, là, c'est bien un joyeux anniversaire de Christine qui nous vient... J'ai fait tomber un truc, non ? C'est bon. Oh, c'est joli, ça. Qui nous vient du 72. Oh, elle est trop mignonne. C'est avec les fleurs. Voilà. Regardez. Trop, trop joli. Ça, c'est les fleurs. Je ne sais pas si c'est les fleurs de chez Enjoy Today. Ah, tu m'as envoyé un kiss. Il faudrait que j'en refasse. Je n'en ai pas. J'en ai plus. Voilà. C'est trop, trop sympa, Christine. Un kiss, il faut écrire plein de choses derrière, hein. Tu m'as oublié plein de choses. Ouh, il y a des petits... Ah, ah, c'est ça qui est tombé. Bon, ben, je le remettrai. Les petites perles qu'il devait y avoir sur les petites fleurs du haut. Elle m'a envoyé un tag. C'est trop, trop gentil. Merci, Christine. Tu fais aussi partie de mes fidèles abonnés. Toujours... à m'écrire des petits mots, super sympa. Là, nous avons Dominique qui nous vient de Belgique. Attends, je garde vos adresses. Hop. Parce que... Hop, je vais mettre de côté. Oh, elle est trop jolie. Oups. Elle est trop jolie, trop vintage et c'est super sympa. Qui me vient de Belgique et qui me souhaite un bon anniversaire. C'est très gentil, merci. C'est trop, trop mignon. Regardez comme elle est trop jolie. Elle est jolie, hein? Ouais, elle est super sympa. Eh bien, merci. Et puis, elle m'a mis des petits tamponnages. Il va falloir vraiment, vraiment... Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez comment c'est joli. Alors, il y en a plusieurs, mais regardez-moi ce papillon. C'est très joli. Alors, il est peut-être dans l'autre sens. Il est peut-être dans le mauvais sens, mais alors, regardez comment c'est trop beau. Il est très beau. Je ne sais pas c'est quelle marque. Il y a des petites lettres. Et puis, il y a aussi... voilà. Trop, trop joli. Je vous ai dit, j'ai mis de côté, voilà, tous les tamponnages, les machins que j'ai reçus récemment. Parce que je voulais vraiment m'en servir. Parce qu'à force, on les met de côté. On trouve que c'est beau. Puis, du coup, on ne s'en sert pas. Puis, du coup, on en a une quantité. Voilà. Quand on range un peu. Là, nous avons Valérie. Valérie. Printemps pour me souhaiter un joyeux anniversaire, Valérie qui me vient du 76. Très jolie avec une petite ATC printemps. Voilà, très très sympa. Merci Valérie, c'est super de ta part. Allez, je fais une petite place sur ma truc. Après, nous avons. Madeleine, alors je crois que, qu'ils nous viennent du 06, je crois qu'il y a deux prénoms et parce que vous êtes des sœurs, non, si je ne me trompe pas. Oh, elle est trop mignonne, elle est trop belle, du petit rose, oh, bah, c'est pas moi la photo, mais voilà, c'est Madeleine et Christelle, voilà, je savais bien que, écoute, ça va mieux. Ça va mieux, là, comme je suis en congé cette semaine, j'en profite pour faire les vidéos de retard, parce que j'ai franchement un boulot monstre en ce moment, c'est une catastrophe, vraiment, de toute la semaine, je ne reviens pas dans ma scrap room, j'ai rien fait, elle est très très belle, voilà, c'est tout à fait moi avec ce magnifique donut, ce petit, ce tout petit fessier, voilà, c'est tout à fait... Merci Madeleine et Christelle, vraiment, c'est super gentil, je me moque de moi-même, hein, vous êtes d'accord.
Là, nous avons un envoi qui nous vient de Stéphanie. Hop. Grosse lettre. Tiens, il y a des... Je sais, il y a des pics dedans. Pourquoi il y a des pics dedans? Je ne sais pas. Alors, voilà. Hop. Ah, les tampons sont de l'arc-en-ciel de Christelle. Alors moi, je la connais depuis très très longtemps. J'ai même un kit que j'ai acheté au début qu'elle a commencé, que je ne suis toujours pas servie. Voilà. Je n'ai pas le temps. En fait, c'est un peu vrai. Ah, mais c'est parce que tu as fait une créa comme ça. D'accord. Sur un pic. Et tu m'as mis un pic. C'est très joli. Eh ben, voilà. Regardez, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, elle m'en a donné un, je suppose, pour que j'en fasse un. C'est très joli, avec le petit nœud. Je ne sais pas comment si c'est un nom spécial. Mais donc, elle m'a mis un grand happy. Je vais le trouver le nom. C'est un happy quelque chose, bref. Ah, mais tu m'as mis plein de petits tamponnages derrière de l'arc-en-ciel de Christelle. Alors, je disais, parce que du coup, je suis partie dans vrille et dans tous les sens. Hein, j'espère que cette vidéo, vous la regarderez dans... c'est très joli, ce petit... Voilà, ça, je vais pouvoir l'accrocher. Regardez. C'est que... oui, je la connais depuis longtemps. Et en plus, elle est de Lyon, elle n'est pas très loin. Mais on ne peut pas tout acheter. Moi, je trouve ça vraiment... j'espère vraiment pouvoir acheter plein d'autres choses. Je voulais le faire au salon, puis j'ai pas eu le temps. Ben, c'est pas grave, j'irai à Chambéry. Mais par exemple, j'ai pas beaucoup de choses de chez Sokai, des choses comme ça, parce que quand vous achetez déjà certaines marques, hein, vous pouvez pas tout acheter. Voilà. Donc elle m'a hop mis des petits tamponnages. Je pense que c'est du... C'est... Peut-être pas tous, mais du Holland Create. Voilà. C'est très gentil. Merci à toi. Voilà, on ne peut pas tout acheter, malheureusement. Quand on achète déjà pas mal de Schweinflower ou pas mal de trucs comme ça, ben, malheureusement, y a des marques qu'on achète. Oh, c'est trop joli. Ah, ben, je vais mettre quand est-ce que je l'ai reçu, même si j'ai tout. J'ai un petit peu... Non, ça c'est Madeleine et Christelle. Stéphanie, j'ai mis où ton enveloppe? Parce que j'ai... Ça devait être une grande enveloppe en plus. Ah bah elle est là. Et regarde ton... Ça c'est un ABC. Que je mette le timbre et tout ça. Bon, voilà, je disais, on peut pas tout acheter malheureusement. Et puis, avec une petite pochette avec un petit sachet de thé. Voilà. On ne peut pas acheter toutes les marques et tout le temps et tout ça. Et c'est bien dommage. Voilà. On aimerait bien, mais... moi, j'ai déjà un beau porte-monnaie mais de dépenses. Hein, mais malheureusement, voilà. C'est vrai qu'il y a des choses... Voilà, à Christelle, ça fait partie des choses que je n'ai pas achetées non plus. Parce que voilà. Hein. Je ne suis pas... voilà. Comme toutes, hein, comme vous toutes. Hein. J'ai déjà cette chance de pouvoir m'acheter autre chose que du Action. Même si le Action, c'est vraiment super sympa. Là, j'ai encore de Catherine hein, qui me vient du 60. Mais je vais pouvoir comme ça l'utiliser. C'est merci à toi, c'est sympa. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on utilise ce que l'on a pour des breloques. Hein. Des breloques de Catherine. Oh, des petites breloques. Alors ça fait partie des choses que je ne vendrai jamais, je pense, des breloques. Voilà. Regardez, un petit sachet avec plein de breloques à l'intérieur. Elle m'a mis, parce que je suis dans tous les sens, moi, un petit sachet avec des embellissements bois. Ah ça, il y en a aussi qu'il faut que je trie pour vendre à mon... Vie de maison, parce que j'en avais acheté quand Action, elle m'a offert un petit carnet. Il est trop mignon, ce petit carnet. J'ai pas ouvert la carte. Oh là là. Avec... Oh, c'est des pingouins. C'est très original, regardez. Elle est grande, hein.
T'es trop, trop sympa. Merci à toi. Je vais lire ton petit mot. Merci, merci, merci. Moi aussi, je te fais des gros, gros bisous. Et merci à toi pour cette magnifique lettre et tous ces petits cadeaux en plus. C'est vraiment trop gentil de ta part. J'ai reçu un petit colis de Claude que j'avais commencé à ouvrir et puis je me suis aperçue que c'était pour mon anniversaire. Voilà, je suis en train de l'étaler pour faire une photo après. J'en ai plus, j'ai plus de place. Et que du coup, j'ai rangé. Hein. Claude, une petite carte d'anniversaire. Merci, c'est trop gentil. Claude, 51. Donc, vous la connaissez si jamais. Regardez, elle a mis une petite... celle-là, je ne l'ai pas. C'est de chou en fleur, je crois. Hein. Vous la connaissez forcément si jamais vous me suivez. Parce que ma petite Claude du 51... elle m'offre très souvent, elle m'écrit très souvent. Voilà, un magnifique avec une petite breloque. Oh. Alors ça, tu vois, je vais l'accrocher dans mon junk que j'ai fait. Hein. Je l'enlève de ton papier. Et ça, ça va aller dans mon junk. Voilà, très joli. Elle a mis des petits trombones, un petit trombone note de musique et un petit trombone lettre. Ça, je les mets juste devant moi pour m'en servir. Très joli. Qu'est-ce que c'est que tu... Oh là 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 là, tout ce que tu as mis. Alors, il y a des petits tags. Il y a un petit tag. Il y a du petit papier qui doit pouvoir servir pour le junk. Des petits papiers. Des petites découpes sur un tag. Alors ça, c'est sympa, regardez. Des petites découpes. Elle a fait un petit tag avec un petit napperon. Elle a fait une petite pochette où elle a mis dedans des petites découpes. Trop gentil. Elle a fait un petit napperon. Alors, je ne sais pas s'il était avec, si c'est défait ou s'il était, je pense qu'il était avec. Mais regardez, il est très joli. Ça, je vais rajouter dans mon junk. Hein. Tout ce que tu m'as, oh là là, ça c'est super joli. Ah mais tu m'en as déjà envoyé un, non? Parce que j'en ai déjà un dans mon junk. Non? Où il y avait deux envois et du coup j'en ai collé qu'un. J'en avais ouvert qu'un. Regardez comment c'est trop joli. Donc ça, ça va aller embellir mon junk. Hein. Donc, il faut absolument... Regardez-moi comment c'est beau. Ah, elle m'a mis plein de petits papiers. Ou alors, j'en ferai un autre. J'en ferai un autre, ouais. Je vais mettre de côté pour mon futur junk. J'en ferai un autre plus petit, plus sympa, un peu plus grand que celui-là de Julia. Mais qui pourra toujours servir. Il y a des... Oh, ça, c'est sympa. Tu me l'as accroché sur le... Regardez, oh bah, de toute façon, voilà. Eh bien, écoute, Claude, je vais mettre de côté pour un futur junk parce que c'est trop sympa. J'adore ces petits, comme elle fait là, avec des petites étiquettes, une petite plume. Elle m'a mis du petit... Ah bah oui, mais tu m'as mis du papier, du plein des sacs et tout. Ça, c'est super sympa. Bon, bah, Claude, hop, ton petit envoi, il va aller direct dans une petite boîte parce que moi, je fais des petites boîtes où... je fais plein de petits projets. Et voilà, ça sera pour mon futur junk. Merci à toi. Alors, je ne sais pas où je vais pouvoir le mettre sans... Hop. C'est trop, trop gentil. Voilà, c'est super. Il y a plein, plein de choses magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Trop, trop, trop gâté. Regardez-moi tout ce que j'ai. C'est que de la gentillesse. Et puis, il y a ce petit colis qui n'est pas petit du tout que j'ai ouvert. C'est... Edwige, j'ai perdu le pseudo, qui habite le même village que moi, qui m'a apporté à domicile un petit cadeau. Enfin, pas du tout petit d'ailleurs, avec plein de choses. Comment? Hop, regardez-moi ce petit sac, c'est trop mignon. Et en plus, elle sait que je suis gourmande, hein, pas du tout. Hein, c'est pas bien gentil de ta part. voilà, il est super joli ce petit sac. Regardez ce petit sac. Voilà, c'est trop mignon. C'est trop trop mignon. Hop, je mets dedans. Et je vous montre sa petite carte d'anniversaire. Elle est, c'est trop mignon et je crois que je vais éternuer. Voilà, et ça c'est un tampon que je lui ai offert, il me semble. Que je lui avais offert pour Noël.
je crois. Ou tu l'as acheté. En tout cas, ouais, il me semble. Enfin bref, c'est pas, on s'en fout de toute façon. C'est gentil, merci. Merci de ton cadeau, de tes cadeaux. Et en plus, elle. Et en plus, elle le sait. Elle m'a offert un bon d'achat pour comptoir du scrap. Oh, c'est trop sympa. Voilà, et ben ça, je vais bien évidemment l'utiliser. C'est trop sympa. Et elle a fait les petits embellissements, regardez. Hop, qui vont me servir. Hein. Voilà. Happy birthday, comme ça. Et puis des trop mignonnes petites robes. Ça, c'est super mignon. Donc, je pense que tu dois avoir le dice. Regardez comment c'est trop mignon. C'est trop beau. J'adore. Vraiment. Merci, Edwige. Qui dit scrap? Ça y est. Et puis, elle m'a fait un petit embellissement comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du thé. Voilà. Trop, trop gentil. Merci, qui dit scrap? C'est vraiment super sympa. Voilà, merci à vous, vous êtes vraiment super gentil. Je vais faire une belle photo pour ma miniature, pour voilà, montrer tout ce que j'ai eu de très très joli. Vraiment, je vais oublier, hein, mais forcément, merci Marie-Pierre, merci Claude, merci Carica, merci Stéphanie, merci Catherine, merci Madeleine et Christelle. J'essaye de pas de louper personne. Valérie, je crois que je l'ai dit. Christine de Suisse. Merci à Dominique. Merci Marie-Pierre. Si je vous ai oublié, qu'il y en a une que j'ai oubliée, j'en suis vraiment désolée. J'espère pas oublier. Alors, la première que j'ai ouverte, que je ne me trompe pas. Marie-Thérèse, voilà, je savais bien que j'avais oublié quelqu'un. J'ai peut-être oublié quelqu'un. Merci, merci pour ces cadeaux d'anniversaire. Vraiment, franchement. Je suis vraiment très très contente et très gâtée. Et puis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bonne journée à toutes et tous.